Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la MACVAC, la maison du combattant de la vie associative et citoyenne du 19e arrondissement. Je m'appelle Olivier Nassau, je suis directeur du développement de la vie associative et citoyenne au sein de cet arrondissement. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre d'une conférence sur l'autisme à un horaire inhabituel par rapport à ce que nous avons d'habitude, il est 10h du matin. Nous accueillons dans le cadre du mois parisien du handicap. Le mois parisien du handicap se déroule du 26 mai au 10 juillet. De nombreux événements culturels et ludiques suscitent des échanges entre les personnes handicapées et les personnes valides. Durant plus d'un mois, la possibilité est donnée à de nombreuses actrices et acteurs, associations, citoyennes, citoyens, services de la ville, d'organiser ou de participer à des événements dont l'objectif est de mettre le handicap au cœur de l'actualité parisienne. Dans tous les arrondissements de la capitale, toutes et tous vont pouvoir se familiariser avec le handicap au travers d'événements festifs, de conférences, de débats, d'animations. Dans le 19e arrondissement, le mois parisien du handicap se déroule du 1er juin au 10 juillet. Alors, comment va se dérouler cette conférence? Dans quelques instants, je vais céder la parole à Madame Cécile Bossavi, conseillère d'arrondissement du 19e arrondissement, déléguée en charge de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap. Je remercie par avance nos intervenantes et intervenants qui vont se succéder aujourd'hui sur la thématique de l'autisme. Vous aurez la possibilité de prendre la parole en ouvrant vos micros ou en posant des questions directement sur le chat par écrit. Donc, je vous souhaite une bonne réunion et je cède la parole sans plus tarder à Madame Bossetti. Merci beaucoup, Olivier. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir une nouvelle fois pour un des événements du mois parisien du handicap. Ce mois parisien du handicap se déroule, comme vient de le dire Olivier, tout au long du mois de juin. Cette année, donc, on en est à la 12e édition de ce mois extraordinaire, ce qui ne signifie pas que le handicap n'est pris en compte que pendant un mois de l'année, mais c'est une manière de particulièrement porter un éclairage sur l'apport que nos concitoyens en situation de handicap peuvent avoir dans la vie de la cité, de sensibiliser aux besoins spécifiques de ces personnes, à leur vulnérabilité, à leurs difficultés, mais aussi exposer leurs talents et la chance que la différence nous propose à chaque fois. Cette 12e édition est toute particulière puisque en 2020, le mois parisien du handicap a dû être annulé pour les circonstances que vous connaissez tous et nous sommes encore cette année dans une édition particulière, à distance. Nous ne pouvons pas nous retrouver et nous rencontrer. Pour autant, nous avons souhaité avoir une programmation en distanciel qui nous permette d'échanger sur ce sujet majeur qui nous préoccupe et qui est un des enjeux essentiels pour la mandature qui est devant nous. Vous le savez, Anne Hidalgo et son adjoint Jacques Galvani ont pour projet de faire de Paris la capitale de l'accessibilité universelle, ce qui signifie, bien au-delà des politiques d'accessibilité des espaces publics que nous connaissons bien, qui sont essentielles, mais c'est aussi de reconnaître et de prendre en compte l'ensemble des types de handicaps, les handicaps sensoriels, les handicaps cognitifs, les handicaps psychiques et bien entendu les handicaps moteurs.
La programmation de ce mois parisien du handicap dans le 19e s'est attachée justement à faire découvrir et à mettre en lumière l'ensemble de ces types de handicaps au travers de différentes initiatives. Je voudrais vous dire quelques mots sur la programmation de cette édition. Nous avons la chance d'être accueillis par la MACVAC pour un cycle de conférences. Première conférence sur vie affective, vie sexuelle, vie intime des personnes en situation de handicap moteur vivant en établissement. Une soirée très riche, passionnante, avec des débats qui ne nous ont pas tous permis d'être d'accord, mais qui ont permis de lever le voile sur cette partie de la vie, qui fait partie de la vie, y compris des personnes en situation de handicap. Une autre soirée sur la maternité, une jeune femme aveugle a témoigné de son parcours difficile pour pouvoir devenir mère et être acceptée comme mère capable d'être mère. Hier soir encore, nous étions ensemble pour une conférence gesticulée que nous a proposée Laurent Savard, le papa d'un jeune homme autiste, une conférence au cours de laquelle on a beaucoup ri et on a traversé des émotions particulières en comprenant aussi le parcours d'exclusion qui fait partie de la vie de ces personnes. Puis je vous invite à des rendez-vous à venir. La semaine prochaine, nous nous retrouverons le 29 pour une soirée dédiée aux aidants. Ces personnes dont la vie est très particulière, ils sont parents, conjoints, grands-parents, enfants d'une personne en situation de handicap, et leur vie est centrée sur les difficultés, bien souvent liées au handicap, difficultés puisque aujourd'hui encore l'accessibilité n'est pas complète et que nous avons beaucoup à faire dans ce champ. Enfin, nous nous retrouverons pour une dernière soirée qui sera la soirée de clôture de nos conférences à la MACVAC le 6 juillet. On est d'ailleurs accueilli aujourd'hui à la MACVAC où une exposition photographique est présentée. Vous pouvez bien sûr vous inscrire sur le site de la MACVAC, toujours à la même adresse mail, maison.asso.19@paris.fr. Vous retrouverez tout le programme du mois parisien du handicap sur le site de la mairie. Je vous invite à y faire un tour puisque au-delà des conférences que nous proposons, de nombreuses expositions ont lieu dans l'arrondissement, dans des espaces publics, en extérieur, qui vous permettront de faire connaissance, d'apprendre et de voir les talents dont sont capables nos concitoyens en situation de handicap. Aujourd'hui, donc, une matinée particulière, une matinée dédiée à l'autisme, à l'accompagnement et à la prise en charge des plus jeunes porteurs d'autisme. Quelques mots sur ce handicap particulier, ce trouble neurodéveloppemental, nous l'avons rappelé hier soir, qui recouvre des réalités très différentes avec un ensemble de profils dont les compétences et les difficultés sont différentes et qui demandent un accompagnement individualisé pour chacune des personnes pour permettre d'atteindre le niveau d'autonomie le plus important que chacun peut atteindre. Donc, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui des professionnels de l'association Agir et Vivre l'Autisme. Agir et Vivre l'Autisme, qui est un acteur important dans le 19e arrondissement. Un établissement existe. Responsable pédagogique de l'établissement est ici et prendra la parole dans quelques minutes. Le 19e arrondissement peut s'enorgueillir, même si on le sait, en France, l'accompagnement et la prise en charge des personnes avec autisme accusent un retard important, que de nombreuses familles ne trouvent pas de solution pour accompagner leurs enfants ou de solutions adaptées. Le 19e peut s'enorgueillir d'accueillir de nombreux établissements qui permettent de répondre aux besoins et à la palette de toutes les difficultés que ce handicap peut recouvrir. Je vous invite, après cette conférence, à aller sur le site de la mairie, visionner deux vidéos qui nous ont été partagées par le Silence des Justes, qui permettent de parler de parcours de jeunes adultes qui sont en parcours de professionnalisation dans les secteurs de la menuiserie, de l'horticulture et de l'entretien des espaces verts, qui illustrent des parcours possibles au-delà de la prise en charge précoce dont nous allons parler ce matin. Voilà, je remercie l'ensemble des intervenants qui vont se succéder à la tribune ce matin et qui vont sûrement vous permettre d'apprendre beaucoup sur l'accompagnement qui permet aux personnes autistes de pouvoir accéder à l'autonomie. Merci beaucoup. Merci.
Du coup, je vais commencer cette présentation du travail de notre association Agir et vivre l'autisme aujourd'hui. Je suis Charlotte Vialard, responsable clinique et psychologue d'établissement de cette association. On va pouvoir démarrer le PowerPoint pour que vous ayez un support visuel au fur et à mesure de mes explications. Parfait. Je vais essayer de commencer très rapidement sur une explication assez globale de ce qu'est l'analyse du comportement, la BA, et ensuite vous faire un petit descriptif de la manière dont on essaye chez ABA, Agir et vivre l'autisme, de travailler l'inclusion scolaire dans ce cadre-là. On peut enchaîner sur le PowerPoint. Donc, l'analyse du comportement, c'est donc l'ABA, l'analyse appliquée du comportement. C'est une approche scientifique qui vise à modifier les comportements en étudiant les relations entre les comportements et l'environnement dans lequel tous ces comportements apparaissent. Les buts vont être de voir augmenter les comportements qui nous semblent appropriés, adaptés aux yeux du besoin des jeunes, de voir diminuer les comportements qui semblent moins adaptés ou qui sont plus problématiques et éventuellement, quand on y arrive, de pouvoir enseigner de nouvelles compétences, de nouveaux comportements. Ici. L'idée de base sur laquelle on débute, c'est qu'un comportement suivi de conséquences agréables sera probablement augmenter dans l'avenir, va apparaître plus régulièrement, alors qu'un comportement qui va être suivi de conséquences désagréables ou sans conséquences va probablement ne plus réapparaître ou progressivement diminuer dans le futur. En résumé, l'objectif va être d'enseigner aux individus des compétences qui vont faciliter son développement et favoriser une plus grande indépendance, une meilleure inclusion dans la société, une meilleure qualité de vie possible. Pour faire très simple, parce qu'on ne va pas rentrer dans une vraie formation à l'ABA, ça serait un peu complexe, mais pour que vous compreniez un petit peu comment on fonctionne, on va se baser donc, comme je le disais, sur le rapport entre les comportements et l'environnement. Pour ça, on étudie les antécédents, ce qui se passe avant le comportement, ce qui peut suggérer ou déclencher un comportement. On va étudier le comportement lui-même, de manière observable, mesurable, pour être clair sur ce dont on est en train de parler, et les conséquences, ce qui se passe après le comportement. En fonction, vous pouvez enchaîner, en fonction de l'antécédent, on a noté A ici, du comportement, on a noté B, et de la conséquence, on va avoir un comportement qui va soit augmenter dans l'avenir, soit diminuer dans l'avenir. Vous pouvez enchaîner sur le PowerPoint, encore et encore. Voilà, c'est un peu les principes de base sur lesquels on va s'appuyer pour essayer d'enseigner de nouvelles compétences aux jeunes et d'augmenter ou de réduire les comportements selon les besoins du jeune. L'analyse du comportement appliquée à l'autisme, ça fait partie des bonnes pratiques recommandées par la Haute Autorité de Santé depuis mars 2012 dans le rapport qu'ils ont fait. C'est une approche éducative qui est fondée sur des recherches scientifiques et l'objectif, c'est d'appliquer les lois du comportement pour développer un répertoire de comportements fonctionnels et socialement significatifs pour les jeunes. On arrive sur le cœur du sujet, l'inclusion finalement des jeunes pris en charge. Chez ABA, Agir et vivre l'autisme, on va essayer de travailler l'inclusion de différentes manières, soit à l'école, c'est quand même le premier lieu de socialisation des jeunes, donc ça passe beaucoup par l'école, mais ça peut être aussi lors d'activités de loisirs selon les centres d'intérêt de chaque jeune et leurs possibilités. Et quand on arrive sur des jeunes qui grandissent, on peut arriver sur l'inclusion pré-professionnelle. Voilà. L'accompagnement en milieu scolaire, on essaye de travailler sur différents aspects. L'idée n'est pas juste de travailler des compétences scolaires avec le jeune et de voir si ça se passe bien en classe,
mais d'accompagner sur différents plans. D'abord, en échangeant avec les enseignants, ce qui est indispensable, aller régulièrement dans les écoles, échanger avec les enseignants, les AESH ou enseignants ABS qui accompagnent parfois les jeunes, participer aux réunions, évidemment, qui sont effectuées dans le cadre scolaire, éventuellement, quand c'est possible, pouvoir effectuer des actions de sensibilisation auprès des écoles, soit dans les classes directement auprès des enfants, soit auprès des équipes enseignantes, les enseignants, directeurs, etc. On va ensuite essayer de travailler des compétences en lien avec les objectifs fixés à l'école. Donc, soutenir les compétences que l'enfant est en train d'apprendre dans sa classe d'inclusion, enseigner parfois des prérequis, des compétences que l'enfant n'a pas encore et qui l'empêchent d'accéder aux enseignements qui sont délivrés dans sa classe. Et tout ça, on va essayer de le faire en ajoutant les difficultés une par une. L'idée n'est pas d'emblée de mettre l'enfant dans une situation où il y a plusieurs compétences à travailler en même temps. Il serait probablement trop en difficulté, donc on va essayer d'éliminer au fur et à mesure et de travailler chaque compétence individuellement pour qu'il puisse ensuite les utiliser tout ensemble. On va travailler sur différents aspects des compétences scolaires, le soutien aux apprentissages scolaires académiques, comme je viens d'en parler, mais aussi, et c'est un point qui est généralement très important dans le cadre de l'inclusion scolaire pour nos jeunes, c'est le comportement d'élèves en classe. Comment être assis au sein d'un groupe, répondre à des consignes de groupe. Parfois, les jeunes vont répondre à des consignes quand on leur pose individuellement, mais pas quand elles sont posées à toute la classe. Être capable de réguler son comportement en fonction du comportement des autres élèves de la classe, etc. Là, on a une petite vidéo pour vous montrer un peu la manière dont on individualise l'enseignement et le travail de compétences de groupe, notamment répondre à des consignes collectives. Et elle ne peut pas passer. Elle ne peut pas du tout passer. Alors, on va faire sans la vidéo, je suis désolée. On va faire sans. L'idée, c'était vraiment de vous montrer que pour chaque enfant, on va essayer d'individualiser complètement l'enseignement au départ pour arriver progressivement à quelque chose qui va fonctionner dans la classe d'inclusion du jeune. Le tout début de vidéo, ce que vous pouviez voir en image, c'est la manière de faire la date pour les enfants. On a des enfants qui sont capables de faire la date juste en recopiant la date, donc en écrivant, et d'autres qui ne sont pas encore capables, qui n'ont pas les compétences de graphisme nécessaires pour écrire la date. Et dans ce cas, on va adapter en imprimant des lettres mobiles éventuellement et on va leur demander de remettre les lettres dans l'ordre ou uniquement en retrouvant le mot global du jour de la semaine s'ils ne sont pas capables d'associer des lettres, mais plutôt de reconnaître des mots de manière globale. Tout ça, on va l'adapter en fonction des compétences du jeune. Et on va rajouter pour chaque jeune un nouvel enseignement pour pouvoir accéder à quelque chose qui se rapproche le plus possible progressivement des compétences demandées en classe, dans la classe d'inclusion. J'imagine que la vidéo suivante probablement ne passera pas non plus. Bon. Donc, on va essayer, l'idée de la vidéo suivante était d'illustrer la manière de multiplier les environnements d'enseignement. Donc, on va apprendre dans la classe d'inclusion, on va essayer de travailler des choses en parallèle au sein de nos établissements, quand l'enfant est pris en charge dans nos établissements, et tout ça, toujours pour en ayant en tête l'objectif final d'utiliser ses compétences de manière fonctionnelle. L'idée n'est pas juste d'enseigner à l'enfant à reconnaître des mots, mais que ces mots puissent être des mots utiles au quotidien rapidement. Voilà, donc les différentes manières dont on travaille l'inclusion scolaire au sein de nos établissements d'Agir et Vivre l'autisme. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je vais laisser la parole du coup à ma collègue qui est également responsable de l'établissement chez Agir et Vivre l'autisme. Permettre de faire un petit
vraiment. Les masques sont toujours de rigueur, bien sûr. Mais... Peut-être qu'il y a déjà des interventions, des questions dans le chat sur la toute première intervention. N'hésitez pas à poser vos questions, à intervenir et interagir. C'est le principe. Vous avez la chance d'avoir des interlocuteurs en face qui sont à votre disposition pour répondre. À mon tour, Borges. Alors, bonjour à tous et merci aussi de l'attention de chacun et de l'intérêt de chacun pour notre association et pour l'approche en analyse du comportement. De mon côté, je suis Marie-Céline Clémenceau. Je suis analyste du comportement certifié et responsable pédagogique dans l'association de Agirébien et Bipolautisme. Je suis également praticienne et instructeur en gestion de crise, formée à un système bien particulier auquel j'ai été quand même avec les États-Unis, via l'association de gestion de crise PCMA. Et je vais expliquer l'intérêt de l'utilisation de ces techniques dans nos établissements. Parce qu'évidemment, si Charlotte a parlé de l'inclusion scolaire et des jeunes qui ont accès à l'école, on a quand même, dans nos établissements ou dans les établissements partout en France, beaucoup de jeunes qui n'ont pas accès à l'école du fait de leurs compétences, de leurs comportements qui restent difficiles à gérer. Et c'est assez compliqué pour les familles d'accepter quand même cette non-inclusion à l'école, malheureusement. Mais dans nos établissements, on essaye tout de même d'inclure un maximum. Charlotte a parlé de l'inclusion dans les centres de loisirs notamment. Et on essaye d'inclure les jeunes dans le milieu ordinaire le plus possible. Donc, en société, aller faire des courses, aller dans les parcs, aller dans les musées, aller dans les magasins, aller choisir ses vêtements, etc., etc. C'est aussi de l'inclusion dans le milieu ordinaire. Parlez plus fort. Oui, c'est possible. Je pense que pour nos invités, voilà, nécessité à. C'est vrai. Merci. Ce travail d'inclusion dans le milieu ordinaire va nécessiter un comportement stable de nos jeunes pour sortir de nos établissements. Et pour ça, on va devoir travailler de manière progressive et très encourageante pour eux, pour être en réussite. Donc, comme je disais, les comportements qui freinent l'inclusion dans la société peuvent amener à l'isolement des jeunes, à l'isolement des familles, puisque c'est difficile de gérer les troubles du comportement à l'extérieur. Et l'idée pour nous, c'est justement d'améliorer cette qualité de vie au quotidien. Dans notre travail en analyse du comportement, et Charlotte l'a déjà évoqué, il s'agit pour nous d'analyser les raisons pour lesquelles les comportements apparaissent, de savoir à quoi sert ce comportement pour le jeune quand il y a des cris ou quand il y a des comportements d'agressivité envers lui, envers les autres, ou de destruction du matériel aussi parfois. C'est pas envers lui ou envers les autres ou envers elle, parce qu'on est sur des jeunes filles, mais c'est la destruction du matériel. La destruction du matériel peut être assez importante puisque c'est l'environnement, c'est dévaliser les étagères, lancer sa chaise, donc des comportements qui ont quand même une certaine violence envers lui ou envers les autres, avec le risque pris. Donc notre travail, ça va être aussi pour améliorer ces comportements. Une fois qu'on a trouvé les raisons pour lesquelles ces comportements apparaissent, d'enseigner les compétences qui vont être alternatives pour pouvoir diminuer ces comportements. Souvent, il s'agit de la communication. En enseignant un système de communication aux jeunes, on arrive à diminuer un certain nombre de troubles de comportement. Enseigner la communication pour demander quelque chose, demander de l'aide, demander l'accès à de l'attention, à un jeu, à quelque chose pour manger, pour boire. C'est les premières choses sur lesquelles on va travailler. Mais il n'y a pas que la communication. Il y a aussi le fait de savoir s'occuper au quotidien, seul ou dans un groupe.
et également la participation aux activités, la participation aux activités de la structure, mais aussi de la famille le week-end pendant les vacances. Donc, ça passe par apprendre à jouer, à s'engager dans un certain nombre d'enseignements pour pouvoir obtenir ou atteindre ses compétences. Et le travail se fait de manière progressive avec l'équipe. Dans tous les cas, ils auront besoin de nous en tant qu'adultes, éducateurs, parents, que l'on propose des enseignements qui vont leur permettre aussi d'avoir accès à du choix au quotidien. Le fait qu'on accompagne des jeunes en grande difficulté, on a tendance, par la force des choses, à décider beaucoup de choses à leur place, leur planning, leurs activités, leurs préférences, etc. Et donc, enseigner le choix aussi aux enfants, ça fait partie de notre travail. Pour enseigner tous ces objectifs-là, il va falloir aussi décomposer les enseignements de manière à ce que les enfants soient en réussite. Plus les enfants vont être en réussite, et plus ils vont avoir envie d'apprendre et être parmi nous. En tant qu'instructeur de gestion de crise, on forme nos praticiens et nos éducateurs à comprendre le fonctionnement de nos jeunes pour pouvoir déterminer les stratégies à utiliser avec eux et les mettre en réussite. Dans notre système, on a une manière de déterminer, d'identifier le niveau de fonctionnement du jeune. On en détermine quatre particulièrement. Un fonctionnement qui est stable, un fonctionnement en pré-crise, un fonctionnement de crise et un fonctionnement d'après-crise. Et selon le niveau de fonctionnement dans lequel le jeune se trouve, on va adapter les stratégies pour permettre au jeune de revenir toujours en fonctionnement stable. Dans le fonctionnement pour identifier le fonctionnement dans lequel le jeune se trouve, on va se focaliser sur l'observation. Certains se plaignent de ne pas vous entendre suffisamment. C'est vrai qu'avec l'articulation et le masque, c'est pas facile. Peut-être si je me rapproche. Ce qui va être important pour nos praticiens, pour nos éducateurs et pour les parents également, c'est d'apprendre à identifier le niveau de fonctionnement du jeune. Et pour ça, on va enseigner à nos éducateurs praticiens, parents, à déterminer, à observer les comportements du jeune, sa physiologie, ses pensées, ses émotions. En observant de manière objective et directement ces aspects-là, on va pouvoir adapter les stratégies. En fonctionnement stable, les comportements vont être on va observer des comportements qui sont d'être engagé dans l'activité, de suivre les consignes qu'on donne dans le groupe ou de manière individuelle. On va aussi observer un jeune qui est souriant, qui est plutôt détendu dans sa physiologie. Et pour les enfants qui ont accès à la parole, ils vont émettre leurs sentiments d'être heureux dans la tâche, d'être content, de partager. On va le sentir dans la voix. S'il n'y a pas la parole, on va l'observer aussi à travers les comportements. Par exemple, un enfant qui est joyeux, on va voir le sourire. Un enfant qui n'est pas joyeux, qui n'est pas bien dans son activité, on va le voir pleurer ou chouiner, les yeux foncés. Et ça va nous donner des indications sur comment adapter notre manière de faire. Donc, dans un fonctionnement qui est stable pour le jeune, donc avec un enfant souriant, un enfant engagé dans sa tâche, enfant ou adolescent, puisqu'on accueille des enfants jusqu'à 20 ans, on va utiliser des stratégies de prévention pour maintenir ce comportement stable. On va, par exemple, s'assurer qu'on le met en réussite dans les enseignements qu'on met en place, l'encourager énormément à rester stable dans ses activités en félicitant, en donnant accès à du choix, en donnant accès à des choses qu'il aime. On va aussi s'assurer que tout se passe bien au niveau physiologique. Est-ce que
l'enfant n'a pas d'inconfort particulier, est-ce qu'il a passé une bonne nuit, est-ce qu'il a bien mangé ce matin avant de partir au centre. Ça aussi, ça va permettre de s'assurer que l'enfant reste dans un état le plus stable possible. Est-ce que ça va mieux par rapport à la... Tout le monde entend mieux ? Voilà, c'est mieux. Donc, bravo la technique, bravo Olivier qui est intervenu. Je vous en prie, poursuivez. Voilà, donc pour nous, tout l'intérêt dans nos journées, ça va être de maintenir une stabilité dans les comportements et la physiologie et les émotions pensées de nos jeunes, afin de pouvoir leur enseigner un maximum de compétences, dont la communication, dont la possibilité de faire des choix et toutes les compétences qui vont leur permettre d'être inclus dans la société, dans un milieu le plus ordinaire possible. Malheureusement, et en même temps, c'est tout à chacun, on fait tous face à ça dans nos journées, il y a des moments de tension dans la journée qui peuvent être liés à des besoins primaires comme avoir faim juste avant un repas ou soif, avoir envie d'aller aux toilettes mais de ne pas pouvoir le demander, d'avoir quelque chose qui gêne dans la chaussure mais pas un système de communication pour dire que ça fait mal. Et la difficulté, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles ils se retrouvent en échec parce que c'est trop difficile, en échec parce qu'ils doivent attendre longtemps pour avoir l'accès à quelque chose qu'ils aiment bien, un échec parce qu'on leur a refusé l'accès à quelque chose qu'ils auraient aimé, un échec par rapport au bruit, par rapport à l'environnement environnant, enfin le bruit, le monde dans la salle ou à l'extérieur, mais le froid, le chaud, enfin tous les besoins qui peuvent nous donner de l'inconfort. Mais sans système de communication particulièrement, c'est difficile de l'exprimer aux intervenants ou aux parents, et ça se traduit par des troubles du comportement, d'abord minimes, et qui peuvent être désescaladés. Et là, on va utiliser des stratégies où on va chercher à désescalader. C'est pour ça qu'on enseigne beaucoup à nos praticiens et éducateurs à observer le comportement et la physiologie des enfants pour savoir anticiper et adapter les stratégies. Quand on se retrouve dans une situation où on n'a pas vu ces inconforts, où c'est trop difficile pour le jeune de réguler ses émotions et qu'on n'arrive pas à désescalader la situation, on se retrouve dans une situation qu'on appelle la crise, où, comme je disais au début, il va y avoir des comportements d'agressivité envers lui, envers elle ou envers les autres, ou de destruction du matériel qui va engendrer un risque pour lui ou pour elle. Et dans notre définition de cette crise, on va observer des comportements qui sont continus. Ça ne va pas s'arrêter, il va falloir que nous, on intervienne pour pouvoir protéger le jeune, protéger les autres, protéger aussi les adultes environnants. Et on est formé donc à un certain nombre de techniques d'intervention physique afin d'accompagner la gestion de la crise. J'insiste sur l'accompagnement de la crise parce que les principes directeurs dans notre système de gestion de crise va être d'accompagner et non de bloquer. Alors évidemment, on va chercher à la stopper, cette crise, mais dans l'accompagnement, on va éviter qu'il y ait de la douleur, on va être dans le respect de la dignité de la personne, de l'enfant, du jeune, ça peut être un adulte, et de donner des feedbacks continus à la personne, avec un minimum de paroles, c'est plutôt dans notre accompagnement physique de la gestion de crise, pour permettre à la personne de se relaxer en se disant ils sont là pour m'aider et ça sert à rien que je m'énerve et je redescends. Il y a des situations qui sont très compliquées pour les adultes à gérer, et on a donc des techniques qui peuvent être utilisées à une personne, deux personnes ou trois personnes pour être dans la réussite de la gestion de cette crise et dans l'accompagnement de cette crise. On insiste énormément sur ce côté éthique de l'accompagnement, parce que l'idée, c'est vraiment que le jeune comprenne qu'on est là pour l'aider. C'est parfois difficile pour les parents de comprendre ou d'accepter ou de valider l'utilisation de techniques physiques, ce qu'on appelle, tout le monde comprendra qu'il s'agit quand même de maintien physique de l'enfant, mais l'intérêt, c'est vraiment de les protéger, eux, de protéger les camarades et de protéger les adultes. Et il y a vraiment ce...
ces principes directeurs sur l'absence de douleur et sur le respect de la dignité de la personne. Cette gestion de crise, elle peut durer un certain temps jusqu'à ce que la personne, l'enfant, le jeune, la jeune, puisse être relaxée complètement et qu'on puisse progressivement relâcher le maintien physique jusqu'à ce qu'on revienne à une situation plus stable. Alors, plus stable, pas tout de suite, parce que évidemment, et on en fait nous-mêmes l'expérience dans notre quotidien ou quand on était plus jeune, quand on est en situation de crise nous-mêmes, on ne revient pas à un fonctionnement stable d'un coup, on a besoin d'un temps pour redescendre et on ne passe pas des pleurs au rire. Parfois, certains oui, mais c'est plutôt en dents de scie. Donc, on va accompagner cette phase de l'après-crise pour revenir à un comportement stable et à de la prévention et donc à l'enseignement de nouvelles compétences pour éviter d'en arriver à la gestion de crise. Ce qu'on enseigne aussi à nos praticiens et instructeurs, et c'est le travail au quotidien, c'est vraiment de maximiser les chances de rester dans ce fonctionnement stable, de devenir très fort en prévention et de devenir très fort en désescalade pour ne pas en arriver à la gestion de crise physique, et ce qui est beaucoup moins traumatisant, et pour le jeune et pour les équipes, évidemment. Donc voilà, si je devais résumer par rapport à notre système de gestion de crise, c'est vraiment de savoir identifier les différents niveaux de fonctionnement d'un jeune à tout moment de sa journée pour pouvoir adapter les stratégies qui vont correspondre à ce niveau de fonctionnement et s'assurer qu'un maximum de sa journée, l'enfant va être dans une situation de réussite et d'apprentissage pour ne plus arriver dans ces situations de crise. On va aussi, dans ce fonctionnement stable, leur enseigner des stratégies de régulation de leurs émotions et de leurs comportements pour que, d'eux-mêmes, par la suite, ils arrivent à avoir une certaine autonomie dans cette désescalade et qu'ils ne soient pas forcément obligés d'avoir besoin de nous tout le temps. Pour un certain nombre d'entre eux, ce n'est pas possible pour tous, mais l'idée, c'est de les accompagner vers cette autonomie-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Si je terminerai malgré tout sur le système de gestion de crise, ça nous sert toute la journée à comprendre le fonctionnement du jeune, mais ça ne suffit pas. Il faut à côté un projet personnalisé. C'est ce que les institutions médico-éducatives mettent en place, pas seulement chez Agir l'autisme, mais partout, pour pouvoir cibler les besoins du jeune et leur apprendre les compétences qu'ils vont avoir besoin dans leur quotidien, dans leur famille et dans la structure ou le milieu ordinaire où ils sont accueillis. C'est l'ensemble de ces deux choses, le projet personnalisé du jeune et les enseignements qui en découlent, les activités de leur planning au quotidien et ce travail avec le système de gestion de crise ensemble qui vont nous permettre de garder les jeunes stables et de minimiser les risques d'arriver en crise et donc d'être davantage en réussite. C'est important pour les jeunes, les premiers, mais aussi pour les équipes, puisque le travail d'éducateur au quotidien n'est pas évident quand il y a beaucoup de gestion de crise. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner aussi les équipes avec ce genre de système de gestion. Il est montré, et les équipes le font savoir, ils savent que c'est basé sur des principes d'éthique pour les jeunes et pour l'équipe, c'est expliqué aux parents, et ça réduit le stress au quotidien, et ça réduit les risques de blessures au quotidien, que ce soit pour les jeunes ou pour les équipes, parce qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, et à chaque moment de leur journée. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'espère que j'ai réussi à articuler un peu mieux, à parler plus fort. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on continue le déroulé de cette matinée? Visiblement, pas d'intervention à ce stade. Donc, je propose à Chelsea, peut-être, de venir prendre le relais et s'installer avec nous pour l'intervention suivante. Bonjour. Bonjour, Chelsea. Je laisse vous présenter au public qui nous écoute.
Très bien. Je m'appelle Chelsea Davis. Je suis en DBCBA, c'est une analyse de comportement appliqué, et je travaille dans l'ABA, donc l'analyse de comportement appliqué, voilà. Mon spécialité, c'est de travailler, d'appliquer la thérapie de l'art. C'est la thérapie d'acceptation et engagement avec les enfants et adolescents autistes. Donc aujourd'hui, mon présentation, ce sera un peu introduire, ou je ne sais pas, c'est peut-être pas le mot pour vous en français, mais pour présenter, donner une idée de qu'est-ce que c'est de l'acte et comment on fait des exercices avec les enfants et qu'est-ce que ça sera, comment ça peut améliorer nos pratiques dans la vie pour les enfants et adolescents. Aussi, j'ai des petits exercices à faire. Si comme vous êtes à côté de moi, peut-être je vous invite de faire avec moi. J'espère que ça ne sera pas trop... Je vais voir si je n'ai pas rien. Vous inquiétez pas, c'est rien de trop compliqué. C'est juste un métaphore expérientiel pour donner à tout le monde une petite idée de ce que c'est comme des activités qu'on fait. OK. Voilà. Merci. En fait, vous pouvez passer aux prochaines slides si vous voulez. Donc voilà, dans le CDC, c'est le Center for Disease Control en anglais, il y a une liste de symptômes de l'autisme. Et sur la liste, il y a en fait l'anxiété, stress ou inquiétude excessive. Donc c'est-à-dire que c'est assez prévalent l'anxiété chez les enfants et les adolescents autistes, que c'est sur la liste de leurs symptômes. Aussi, il y a une étude par Kent et Sternoff qui ont dit le taux général et global sur cette population avec les troubles de l'anxiété, c'est entre 42 et 70%. Donc, on peut très bien dire qu'il y a au moins une chance sur deux que nous, on va travailler avec un enfant ou un adolescent qui a des troubles d'anxiété. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne comment on travaille avec cette population qui a souvent des comorbidités. Mm-hmm. Et, j'avais une idée. Ah, c'était ça. Classiquement, dans la VIA, en fait, si vous voulez, on travaille surtout sur la communication. C'est souvent, on voit tout de suite que l'enfant il commence à parler, puisse se communiquer ses besoins, que l'enfant puisse avoir des comportements adaptés pour être capable de s'intégrer dans la communauté. Aussi, on vit indépendant. C'est des compétences les plus fréquentes qu'on travaille dessus chez les enfants. Mais malheureusement, la gestion du stress, c'est moins notre point fort dans les années passées. Mais maintenant, grâce à l'acte, on a des moyens très forts qui peuvent vraiment changer cette pratique et peuvent vraiment améliorer notre façon de travailler sur la gestion du stress et l'anxiété pour que l'enfant puisse trouver ses valeurs et fabriquer une vie pour eux-mêmes malgré le stress et l'anxiété dans leur vie. Voilà. Si on pouvait passer au prochain slide, merci. Et donc, en fait, dans la thérapie de comportement ou dans la théorie comportementale, on parle beaucoup de comportement régi par des règles. Je ne vais pas trop rester dans les termes techniques parce que ce n'est pas super important, mais il faut quand même avoir une idée globale de ce que c'est le comportement régi par des règles. Et c'est un comportement qui est sous le contrôle d'une règle médiation verbale. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de toucher en conséquence de quelque chose sans avoir suivre une règle. Par exemple, si quelqu'un vous dit « mangez pas ça parce que c'est périmé », vous n'avez pas besoin de manger et tomber malade pour suivre cette règle. Ou si vos parents vous disent « il fait froid, il faut porter un manteau aujourd'hui », on suit cette règle parce que quelqu'un nous a communiqué ça verbalement. Et c'est très bien chez les humanêtres, ça nous aide beaucoup d'éviter des problèmes des suicides sans avoir touché ses conséquences personnellement. Mais en même temps, comme je vous avais dit, les comportements régis par des règles, c'est souvent lié à l'évitement. C'est-à-dire qu'on suit ces règles pour éviter des choses compliquées ou difficiles ou aversives chez nous. Et ça peut nous, en fait, comment dire? Si on évite tout dans la vie, on a moins d'opportunités d'avoir des expériences dans la vie et aussi de faire des choses qui sont importantes pour nous. Par exemple, pour moi, j'ai un peu d'anxiété de donner des présentations en français. C'est parce que ce n'est pas mon langue maternelle, mais je fais quand même parce que c'est très important pour moi
et j'adore diffuser cette information partout dans le monde, surtout en France. Et donc, j'ai fait malgré tout. Et donc, j'ai quand même un rêve qui me dit, mais tu n'arriveras jamais parce que ce n'est pas ton langue maternelle, il faut mieux que tu restes chez toi. Mais j'ai décidé aujourd'hui de dire, OK, cerveau, merci pour cette pensée, c'est très gentil, mais je vais quand même faire cette présentation aujourd'hui. Donc voilà, c'est un peu une idée de qu'est-ce que c'est le comportement régi par les règles. Et en fait, chez les enfants autistes, ils ont vraiment une capacité forte de suivre les règles. Et dans la pratique de la vie quotidienne, on aime bien aussi de donner des règles aux enfants. Par exemple, on travaille beaucoup avec des, par exemple, des planning visuels, des choses comme ça, que l'enfant puisse comprendre ce qui se passe dans la journée, qu'il puisse compter sur les choses. Ça aide l'enfant d'avoir moins d'anxiété dans le court terme. Mais malheureusement, dans le long terme, ça peut poser des problèmes parce que parfois, le planning, ça ne correspond pas avec la vie quotidienne. Il faut qu'on prépare ses enfants d'être un peu plus souples avec tout ce qui se passe dans le planning, d'être plus flexible psychologiquement. Et donc, si vous voulez, monsieur, passer au prochain. Ah, il n'y avait pas un autre avant? Oh non, OK, c'est pas grave. Et en fait, l'ACT et ICOV, c'est une thérapie de comportement, c'est thérapie d'acceptation et engagement. Et en fait, il y a plus que 600 essais contrôles randomisés qui prouvent que ça marche très bien pour le déprime, l'anxiété et du stress déjà. Donc, c'est basé sur beaucoup de preuves. Et le ECOV, c'est la même chose, c'est l'acte, mais ils ont développé ce modèle spécifiquement pour les enfants et les adolescents autistes. C'est vraiment pareil que l'acte, mais on a juste changé un peu la terminologie pour que ça soit plus approchable pour les enfants. Et si vous voulez, c'est un peu, il y a la même racine que la BIA. Tout est basé sur le comportement. Et donc, c'est pourquoi ça correspond très bien avec notre travail en tant que BCBIA ou dans le monde de la BIA. C'est parce que c'est vraiment la même théorie, la même recherche. Tout est basé sur les épreuves, les études. Et donc, voilà, on va parler un peu plus sur comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça fait. Donc voilà, c'est ça que j'ai cherché le slide, je pensais que c'était avant, c'est pas grave. Donc en fait, on travaille sur la flexibilité psychologique. Qu'est-ce que c'est la flexibilité psychologique? En fait, c'est d'être capable de suivre ce qui est important pour nous, malgré en prenant compte ou en acceptant nos pensées et émotions difficiles. On peut imaginer, regardez-vous dans l'image, c'est une très bonne métaphore visuelle, je trouve. Il y a un adolescent qui se trouve, je pense que vous dites fourche. Il y a une fourche sur un chemin, c'est-à-dire que soit il puisse aller à gauche ou aller à droite. Et en fait, s'il va à gauche, il va découvrir quelque chose pour lui-même. Et peut-être c'est lié avec son valeur. On peut imaginer que cet enfant, son valeur, c'est les amitiés. Il veut faire des amis. Mais s'il va à gauche, il y a quand même une grande montagne, il y a un nuage gris. Ça pose peut-être des risques, hein? Ça peut être dangereux, quoi. Mais s'il peut aller à droite, il peut suivre ce conseiller, on dit en français. Donc, s'il prend le chemin droit, on voit dans l'image, c'est plutôt un ciel bleu, clair. Il connaît ce chemin. C'est un chemin pas dangereux, il n'y a pas de risque. Mais s'il va à droite, il s'éloigne carrément de ses valeurs. Donc, c'est un choix qu'on fait. Soit on prend les risques, on dit, OK, j'ai très peur, mais malgré tout ça, je vais aller vers mes valeurs, je vais chercher mes amis, je vais parler avec les autres, même si ça me fait peur. Peut-être pour moi, l'exemple, c'est que j'ai pris le chemin gauche de faire des présentations, de déménager en France pour diffuser un peu l'acte et ABIA en France. Donc, mais j'ai beaucoup de mon conseiller, il me dit plein de choses tout le temps. Comme tout le monde, on fait tous qu'il y a quelque chose qui compte vraiment pour nous. Nos conseillers, il y a plein de choses à nous dire. Donc, c'est un peu ça, la flexibilité psychologique. C'est le fait de comprendre qu'on a des sensations difficiles, des pensées aversives qui essaient de nous garder en sécurité. Mais il faut qu'on est conscient de ça, on accepte, OK, merci cerveau, je vois que tu essaies de m'aider, mais actuellement, j'ai envie d'aller prendre ce chemin parce que c'est important pour moi. Voilà. Ici, on pourrait passer au...
Et donc là, je m'inspirais un petit peu de faire cette slide. C'est un peu une image de qu'est-ce que c'est EcoV. Et si vous voulez un chemin, et vers le but de le chemin, c'est nos valeurs ou notre vitalité. Et c'est un peu ça, la vitalité, qui nous donne un peu de sens de notre vie. Et les restes des composants, c'est des comportements un peu généralisés, c'est des répertoires, si vous voulez, qu'on travaille chez les enfants et adolescents. Donc, la vitalité, ça peut être pour un enfant, par exemple, ils sont jeunes, hein, ils n'ont pas une grande histoire d'apprentissage comme nous, donc leur valeur, c'est peut-être pas du santé, de bien-être. Ça sera plutôt s'amuser, d'avoir des amis, leur famille. Et on cherche les valeurs avec l'enfant pour qu'il puisse identifier ce qui est important pour lui ou elle. Après, il y a l'explorateur. L'explorateur, on dit avec l'enfant, c'est ton explorateur qui fait ça. Mais en réalité, c'est un comportement un peu généralisé. C'est ce qui en fait ouvertement, c'est notre comportement ouvert, comment on dit, un peu observable, voilà. C'est le comportement, c'est pas nos pensées, c'est vraiment de physiquement faire quelque chose vers nos valeurs. Par exemple, pour un enfant qui aime avoir des amis, de demander de jouer avec un enfant dans une classe, c'est il travaille avec son explorateur dans ce moment. Ou il y a aussi des enfants qui aiment bien jouer dans la même façon. Ils sont un peu rigides avec la façon de jouer. Ils aiment toujours jouer avec les mêmes paroles, les mêmes personnes, les mêmes caractères, et parce que c'est dans leur zone de confort. Mais s'ils avaient une valeur pour faire des amis, par exemple, il faut prendre des risques de jouer un peu autrement, peut-être partager le jeu pour qu'ils puissent avoir des amis. Parce qu'à bout d'un moment, un enfant ne veut pas toujours jouer de la même façon que l'autre. Donc, il faut être un peu explorateur dans la vie et essayer des choses qui sont importantes pour nous. Et c'est vraiment le comportement ouvert et physique qu'on voit quand nous, en tant que BCBA ou ABA, on peut mesurer. On aime bien mesurer le comportement. Ça. Donc, c'est quelque chose qui correspond bien avec nous. Après, il y a l'observateur. Ça, c'est quand on travaille sur la façon de s'asseoir ou même juste faire attention du moment présent, tout ce qui est devant chez nous. Par exemple, d'observer le fait que chaque fois que je vais dans la classe, j'ai le cœur qui bat. C'est parce que je pense que j'ai un peu peur. J'ai observé mon cœur qui bat avant de réagir. Ou j'observe que j'ai une pensée que je suis trop nulle de faire des amis, donc je ne vais pas aller asseoir à côté d'un groupe de copains. Parce que j'ai la pensée qui me dit que je ne pourrais pas, j'aurais pas il va dire que je suis nulle, il ne va pas accepter que je sois là. Donc, pardon. L'observateur, c'est juste vraiment notre façon de prendre un peu de perspective sur nous-mêmes et aussi d'être un peu plus curieuse et objective sur nos pensées. De ne pas toujours s'attacher, de prendre un peu d'espace. Et je vais vous montrer avec cet exercice plus tard comment ça fonctionne en réalité. Et finalement, il y a le conseiller. Le conseiller, comme j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est nos pensées, c'est nos sensations aversives, mais c'est surtout on personnifie un peu l'idée de conseiller parce que ça correspond, et je pense que les enfants, ils comprennent mieux, en lieu de dire « Ah, mais c'est vos pensées qui vous disent ça », si on personnifie un peu avec conseiller, et c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez des dessins animés, il y a un petit ange et un démon qui est sur les deux épaules qui dit « Oh non, mais fais pas ça, tu fais ça ». C'est un peu ça qu'on veut apprendre à l'enfant, qu'il y a toujours les pensées qui nous conseillent à fond, tout le temps, sans arrêt. Et parfois, c'est bien de l'écouter. Par exemple, on traverse pas la route sans regarder à gauche et à droite, c'est très bien d'écouter ton conseiller en ce moment. Mais peut-être si ton conseiller, tu dis ça, non, ça serait trop compliqué de jouer dans une autre façon. Tu es très bien là, toute seule, reste comme ça, change rien. Bon, en fait, peut-être il vaut mieux pas trop écouter ton conseiller en ce moment parce que tu limites ton opportunité de peut-être faire des amis. Donc voilà, c'est un peu le modèle et c'est tous les composants qu'on travaille chez les enfants et adolescents. Merci de changer. Et là, attends, je vais chercher un petit truc, excusez-moi. Un petit
petit exercice pour un peu montrer comment ça marche. Donc là aussi, on a une boîte. C'est une boîte mystère parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, on va commencer avec notre observateur. Et je vous invite d'observer avec moi tout ce que vous pouvez voir avec vos cinq sens. Donc, on va commencer en visuel, oui. Vous voyez quoi? Je vois une boîte noire, oui. Fermée. Très bien. J'ai entendu que probablement il y a un objet dedans. Oui, ok. Mais je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Oui. On le fait en vrai, hein? Oui, mais c'est ça. J'ignore complètement. C'est pas du magie, hein? C'est pas ça non plus. J'ai peur qu'un lapin blanc surgisse. Mais voilà, c'est ton conseiller que tu dises plein de choses déjà. Donc, tu as observé que c'est un bois qui est noir, qui est un petit gris, pas trop. Moi aussi, j'ai observé que le boîte, il est petit, hein. Il n'est pas très grand. Je n'ai pas sous-pesé le poids. Ah oui, vous pouvez. Hein. C'est léger. Oui, c'est assez léger, voilà. Donc, on a déjà observé avec notre observateur, sans trop mettre du jugement. Mais maintenant, on va juger. Donc, on va se demander, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a dedans? Votre conseiller, il vous dit quoi? Alors, ça me fait penser à une boîte à lunettes. Je me dis qu'il pourrait y avoir des lunettes dedans. Oui, possible. Mais mon conseiller me dit que... Je dois m'inquiéter. Si vous me faites faire l'exercice, c'est probablement pour qu'il y ait une surprise. Donc, ça n'est pas des lunettes. Voilà, comme votre conseiller veut vraiment vous protéger. Hein? Oh, il y a des risques même dans cet exercice. Oui, je comprends. Et moi, mon conseiller me dit que c'est un truc petit, peut-être comme ça, bascule à droite et à gauche. C'est peut-être un petit objet en plastique. Donc, mais finalement, comment on va savoir? De prendre le risque d'ouvrir cette boîte. Ah, et ça, c'est nos façons de découvrir. Donc, on va explorer et ouvrir. Et voilà, il y a quoi dedans? Un Playmobil. Un petit Playmobil. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ça? Peut-être parce que vous avez fait l'expérience avec moi. Est-ce que ça vous avait bien illustré un peu qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne chez nous en réalité? Tout à fait. Donc là, on a découvert un objet. Oui. Comment vous utilisez cette pratique, oui, auprès d'un enfant qui a la crainte d'aller rejoindre un groupe et de solliciter un autre pour lui demander s'il veut jouer avec lui, mm-hmm, qui peut avoir la crainte du refus, oui, du copain qui dit non, je suis désolée, mm-hmm, je n'ai pas envie de jouer avec toi. Oui. Comment vous accompagnez ce comportement de la même manière que vous l'avez fait avec la découverte, oui, de ce Playmobil? C'est une très bonne question et c'est un peu la question d'aujourd'hui, hein, c'est de nos jours. Dans la BIA, comment c'est une très bonne pratique, il y a des racines comportementales, mais comment on peut appliquer ça chez les enfants, notamment les enfants qui ont peut-être une capacité moins forte de se communiquer. Et donc là, j'ai pris un peu des bouquins dessus. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment pour publier plus des articles et montrer plus des moyens. Mais pour répondre à votre question précise, on commence déjà de travailler sur un répertoire. Donc, de faire des exercices, pas dans une situation qui évoque ce stress, mm-hmm, pour déjà un peu comme de désensibilisation systématique, hein, si vous voulez. On commence à faire ces jeux qui sont sympas pour apprendre qu'est-ce que c'est, tous ces termes, comment nos fonctions chez les humains. Et après, petit à petit, on peut commencer à toucher le sujet de parler avec un enfant qui peut-être il a peur de faire un ami. Donc, on peut-être petit à petit, on approche le sujet actuel et on peut encourager l'enfant. Mais c'est surtout, on évite de rajouter des renforcements supplémentaires. On veut que l'enfant, dans ces cas, il fait à volonté. Donc, on, mm-hmm, attend jusqu'à ce que l'enfant est prêt et il dit, oui, mon valeur est clairement d'avoir un ami. Et j'ai mon conseiller qui me dit, je suis trop nulle de le faire. Comment on va arriver? Peut-être l'enfant il n'est pas encore si courageux d'aller jusqu'au bout. Donc, on peut faire des jeux du rôle, par exemple. On essaie. Et puis, peut-être on demande à un étudiant dans la classe de venir vers lui au début. Et puis, petit à petit, vous voyez, c'est systématique. Comme ça, l'enfant va arriver vers le bout. Donc, c'est quand même les composants comportementales à la base qui sont alliés avec le fait qu'on puisse toucher un peu les pensées et les émotions. Mm-hmm. Donc,
Est-ce que ça reprend un peu? Oui, okay. Bien, j'ai compris. Très bien. Peut-être qu'il y a des questions parmi nos invités. Bon, pas pour l'instant, donc je crois que vous avez été très clair. Très bien. Parfait. Bah, j'avais un autre exercice, mais si on n'a plus de temps, ça dépend. Je ne regarde pas bien le temps en ce moment, donc je ne sais pas si... On peut faire un autre exercice. OK. Monsieur, si vous pouvez passer pas celle-là, parce que ça prendra trop de temps, mais celle-là. OK. Donc, est-ce que vous, madame, vous avez eu des moments où vous avez quelque chose compliqué dans votre vie, une tâche difficile où vous pensez que vous n'arriverez pas? Oui. Ah oui, et vous avez, et peut-être vous avez quand même arrivé quand même de la faire. Oui, il y a très très longtemps. Oui. J'ai pensé que j'aurais jamais mon bac. Ah ben voilà. Par exemple. Mm-hmm. Voilà. OK. Ben moi, par exemple, pour avoir mon titre de BCBA ou même d'apprendre le français, c'est une tâche pas évidente, quoi. Et j'ai eu plein de moments où mon conseiller m'a dit, mais vous n'arriverez pas, il faut trouver une autre chose qui est moins compliquée. Pourquoi pas, vous n'avez pas décidé d'être, j'en sais pas, pâtissière, c'est compliqué ça aussi. Vous voyez, un truc qui est peut-être moins demandant par rapport aux études. Mm-hmm. Mais j'ai quand même réussi. Et imagine si vous n'avez pas réussi de faire votre bac, vous serez comment? Bah oui. Et maintenant, quand même, vous avez réussi. Tout à fait. Et vous êtes là aujourd'hui. Et comme moi, si j'avais disé, OK, j'écoute mon conseiller, j'arrête, je ne peux pas apprendre le français, je vais trouver un travail plus simple, je pense que mon vie sera moins riche, enrichissant. Donc, je suis quand même contente de l'avoir fait. Et donc, on va faire un petit exercice pour un peu illustrer que notre conseiller ou nos pensées ne sont pas tout puissants. Donc déjà, je vous invite de fermer les yeux avec moi et penser, je ne peux pas me lever. OK. Et maintenant, j'ai vu que vous fermez vos yeux encore, vous gardez les yeux fermés et pensez, levez-vous. Mais vous n'avez pas. Ah, vous voyez le conseiller? Donc, nos conseillers nous disent, levez-vous, mais on reste assis. OK, très bien. Et maintenant, on va dire deux fois, je ne peux pas me lever. Et après, vers le troisième, on va se lever. On fait ensemble? OK. OK. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever. Je ne peux pas me lever. Et voilà, et on s'assoit. Donc, en fait, j'ai fait un exercice similaire à ça avec, par exemple, les adolescents. Parce que les jeux aux boîtes de mystère pour les adolescents, ça dépend sur l'adolescent, mais parfois, c'est un peu trop... c'est trop adolescent, enfant pour oui. eux. Oui. Donc, c'est pour montrer qu'il y a des fois que nos conseillers nous disent en oreille, par exemple, je ne peux pas me lever, mais on se lève quand même. Et je ne sais pas pour vous, votre expérience, mais à chaque fois que je le fais, quand je dis je ne peux pas me lever et je me lève, ça fait une expérience un peu bizarre. C'est parce qu'on n'obéit pas à nos pensées. Je ne sais pas, est-ce que ça vous avait fait une émotion ou une sensation un peu particulière de ne pas écouter votre conseiller? Tout à fait, parce que moi, je l'écoute très régulièrement. Oui. Mais peut-être vous pouvez... C'est peut-être mon moment, c'est que je découvre mieux mon exploratrice. Ben oui, et voilà, c'est très bien. Et vous pouvez peut-être rappeler de cette « je ne peux pas me lever » exercice. Et peut-être ça pourrait vous aider d'être motivé, de dire... Merci cerveau, mais maintenant je suis en train de faire quelque chose qui est très important pour moi. Et voilà. Merci beaucoup. OK, ben très bien. Et puis, s'il n'y a pas de questions. Non? On n'a pas de questions pour l'instant. Peut-être qu'on passe à la suite, peut-être que les questions viendront après. Parfait. Merci beaucoup, Chelsea. On a un petit moment de réglage technique. Ne nous quittez pas, on revient. Ah, je vois une main levée. Oui, allô, bonjour. À lever la main.
Oui, bonjour, vous m'entendez ? La parole. Vous m'entendez ? Samy, vous pouvez, votre micro est allumé, vous pouvez vous exprimer, poser vos questions ou intervenir. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Oui, c'est la pharmacie. On ne vous entend pas. Oui, allô, bonjour, vous m'entendez ? Ben, je ne sais pas. Vous m'entendez ? Non, ben non. Nous indiquons, nous entend, ce qui est parfait, mais on... Ah, voilà. Bonjour, vous m'entendez ou pas ? Hélas, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez faire votre intervention sur le chat pour qu'on puisse la lire et la partager ? J'avais une question sur le slide. Ah, mais on vous entend. Expérience. Vous m'entendez là ? On vous entend musical. Désormais, allez-y. Ah bon, bah parfait. J'ai vu un slide sur l'expérience musicale. Oui. Et je voulais si vous pouviez en dire un petit peu plus. Parce qu'avec mon mari et mon fils autiste de 8 ans, on a commencé ce qu'on appelle la musicothérapie. Et je serais intéressée un petit peu de partager ça avec vous. Ok, oui. Bon. Oui, je vous en prie. Ok, très bien. Merci. Le reste là. Merci. En fait, le slide, c'est encore une façon de travailler sur les composants de ECOV. Donc, si vous voulez, là, c'est ce qu'on pourrait faire. J'avais peur qu'il y aurait des soucis techniques, donc je n'ai pas fait parce qu'il faut aller sur YouTube. Mais ce qu'on fait, c'est qu'avec les enfants, on peut mettre de la musique qui évoque des émotions un peu particulières. Ça peut être de la musique très heureuse qui nous rend contents, ou ça peut être de la musique un peu triste, ou même de la musique avec beaucoup d'énergie. Et là, on écoute la musique et on écoute peut-être pendant une minute ou plus, comme vous voulez, franchement. Mais après, on pose les mêmes questions, un peu comme on a fait avec le boîte au mystère. Donc, on dit, qu'est-ce qu'on a observé quand on a écouté cette chanson? Peut-être moi, j'ai observé, il y avait une guitare électrique. Peut-être vous aurez observé quelque chose qui se passait dans la vidéo. J'ai observé qu'il y a un chien dans la vidéo ou je ne sais pas quoi. Après, on travaille sur le conseiller. Mon conseiller m'avait dit que j'avais envie de danser, mais j'ai eu peur que vous me trouverez nul. Donc, je ne dansais pas. Ou mon conseiller m'avait dit que je n'aimais pas la chanson. Ce n'est pas mon style, je n'aime pas. Et donc, on travaille un peu sur le fait de nos conseillers, même quand on écoute de la musique. Et puis après, on parle de s'il y a certains qui ont dansé, c'est leur façon de découvrir le monde, d'être un, comment on dit, discover, comment on dit en français, explorateur. Voilà, pardon, j'ai perdu le mot parce que j'ai tellement l'habitude de parler en anglais sur ce modèle. Mais c'est l'explorateur qui nous amène à danser pour explorer la chanson. Parce que même si notre conseiller nous a dit « j'ai trop peur de danser, tout le monde va moquer de moi », mais si vous dansez, c'est une façon d'être un explorateur. Donc, pour adapter ça à un enfant qui a peut-être moins de capacité de s'exprimer, de communiquer, de juste faire l'expérience avec l'enfant et peut-être modeler comment ça nous a fait de parler de ce vocabulaire avec des mots simples et de faire beaucoup des autres des moyens de faire le même exercice. Ça peut être des dessins animés. Dans le dessin animé, il y a quelque chose qui se passe, un événement assez important pour modeler comment le caractère a eu des émotions très fortes. On peut vraiment adapter ça, cet exercice, un peu dans plusieurs moyens. Mais musicalement, c'est quand même plus fun et c'est une façon que tout le monde peut participer. Voilà, j'espère que ça a un peu répondu à votre question. Oui, c'est parfait, merci. Ouais, merci. Très bien. Alors, nous accueillons une nouvelle intervenante. Donc, bonjour. Je suis Anna Bibai, je suis analyste du comportement certifiée
Après un parcours en école de commerce et dans la banque d'affaires, j'ai fait le choix de reprendre des études universitaires et me spécialiser en analyse du comportement. Mon travail initialement a été en tant qu'intervenante éducative et aujourd'hui un travail de direction d'établissement avec une volonté de continuer d'accompagner les familles et les équipes. Et une volonté d'accompagner aussi des projets innovants pour les enfants et des adultes avec autisme. Donc, dans l'accompagnement des personnes avec troubles du spectre de l'autisme, une ambition me semble particulièrement essentielle, celle d'apporter la compétence clinique, les outils et les moyens nécessaires au projet de chaque personne. Et aussi l'ambition d'anticiper sur les besoins à venir. Pour parvenir à cet objectif, nous devons penser à la fois à des réponses, parfois à des réponses qui sont très personnalisées. On a eu ici des présentations très différentes sur l'inclusion en milieu ordinaire, sur les situations de crise, sur le travail par l'acte, peut-être un peu plus ciblé aujourd'hui avec des enfants plus verbaux. Et donc, c'est pour cela que la qualité de notre travail, de notre expertise doit continuer à grandir pour mieux répondre aux attentes et aux besoins, pour développer aussi des solutions qui sont nécessaires, mais parfois encore très insuffisantes en France. Donc, une partie importante de mon travail ces dernières années était en lien avec la réorganisation des services afin d'améliorer la prise en charge clinique et de préserver la place de l'enfant et de sa famille au cœur de l'accompagnement. En lien avec les différentes cibles que ces objectifs peuvent nécessiter, je voudrais présenter plus spécifiquement aujourd'hui des aspects de structuration de la prise en charge éducative. Donc, cette cible, elle nous permet d'aborder l'organisation de l'accompagnement au sein d'un établissement ABA, mais aussi l'accompagnement éducatif en dehors d'un centre d'accueil. Donc, au final, l'important est de bien identifier les priorités dans le suivi et d'identifier les moyens nécessaires pour un projet qui, à long terme, répond aux besoins de l'enfant. Rien dans ça est évident, car les priorités évoluent et les moyens nécessaires ne sont pas toujours disponibles. Mais nous avons identifié un certain nombre d'éléments qui visent à conduire notre travail et qui, à mon avis, peuvent permettre aussi à d'autres équipes et à des familles de penser à comment améliorer la prise en charge clinique. Donc, je vais tenter ici de vous donner quelques éléments. Donc, l'objectif de travail de structuration de la prise en charge que je vais décrire a été initialement mis en place à travers trois actions. Donc, structurer les classes et les équipes en fonction des projets des enfants, diversifier les environnements d'apprentissage de chaque enfant et diversifier les pôles d'activité éducative. Et c'est ce que je vais essayer de détailler. Donc, l'idée de la composition d'une classe est qu'elle réponde à une logique centrée sur les besoins des enfants. Et donc, dans chaque centre ABA, on cherche une plus grande cohérence et harmonie lors de la composition des classes. Donc, sauf exception, l'idée, c'est que ces classes soient petites en nombre d'élèves avec environ 5 à 8 jeunes par classe. Là, j'avais mis 4 et 6, ça fait partie des évolutions qu'on a pu progressivement mettre en place. Donc, par exemple, si on passe de 4 à 6 à aujourd'hui à 5 à 8, c'est bien évidemment parce qu'on considère que dans une situation d'école classique, le nombre d'élèves est plus grand. Donc, si on peut préserver la qualité, individualiser la prise en charge, mais avoir un nombre plus important de jeunes dans une classe, bah, c'est une démarche qui va dans le sens d'un accompagnement plus proche de ce que l'enfant va retrouver à l'extérieur de l'établissement. Donc, on va me questionner régulièrement sur les troubles du comportement dans la mise en place de ce type d'organisation. Donc, je vais essayer d'anticiper ce type de questions et d'en faire un point. Donc, on accueille des enfants avec autisme. Des troubles du comportement sont présents dans toutes les classes avec, bien sûr, des fréquences, des topographies et des intensités qui vont varier considérablement. Donc, il n'y a pas de classe sans troubles du comportement et il n'y a pas de classe non plus, évidemment, où on va réunir tous les enfants qui présentent des troubles du comportement. Donc, on doit pouvoir clairement identifier ces comportements de problème, identifier des situations complexes aussi au sein de chaque centre. Pour le faire, on a une grille de cotation et on va tenter de suivre de manière hebdomadaire des situations qui sont complexes et d'avoir dans ces situations complexes identifiées des propositions éducatives et une organisation interne qui est majoritairement une modulation du ratio d'encadrement et des antécédents et des conséquences dans un emploi du temps qui va être plus individualisé. Donc, comportement problème ou pas, chaque enfant est dans une classe et sa participation est ajustée pour assurer sa réussite. Donc,
les éléments suivants sont recherchés dans cette organisation. C'est la slide d'avant. Donc, un ensemble de professionnels qui va travailler dans une classe avec l'ensemble des enfants. Des situations où les équipes travaillent entre des différentes classes vont être évitées pour faciliter la formation et la supervision. Une organisation pensée pour préserver la présence des cadres sur le terrain en tant que coach des équipes pédagogiques. Donc, la spécialisation de cette organisation, c'est dans l'idée que les équipes vont suivre des projets plus homogènes, bien évidemment pendant un certain temps, et qu'à chaque rentrée scolaire, on peut repenser cette organisation avec des changements partiels dans les équipes. L'organisation que je présente ici est pensée à partir d'un concept d'environnement d'apprentissage qui est proposé par Vicky Tucci dans le curriculum CLM, qui veut dire Competent Learner Model, et un projet de formation et d'accompagnement de Tucci Systems, donc une association américaine. Donc mon travail avec Vicky a démarré en 2012 lorsque j'ai pris la direction de l'IME Maya, une structure expérimentale à Paris qu'elle a visitée et où elle nous a accompagnés pendant un certain nombre de mois. Avant de développer ces concepts d'environnement d'apprentissage, je voudrais préciser que cette organisation pour nous, elle démarre avec un emploi du temps et une idée d'une durée que je présente ici à titre indicatif, mais d'environ 20 minutes dans chaque environnement d'apprentissage. Donc, je présenterai les environnements d'apprentissage ensuite, mais vous verrez que l'intention ici est de structurer la classe d'une certaine manière et de faire en sorte qu'au fil de la journée, un enfant puisse travailler de différentes manières, ce qui signifie pour nous qu'il puisse apprendre de différentes manières. Donc, comme je disais, cette organisation est aussi une organisation des espaces physiques de la classe elle-même. Concrètement, on tente de faire en sorte que dans un espace d'activité de jeu, il puisse avoir une certaine organisation pour que l'enfant identifie par le fait même de comment la classe est élaborée, quel type d'activité d'apprentissage va avoir lieu dans un environnement donné. Au-delà de l'âge de l'enfant avec autisme dans le système, parce qu'on peut imaginer ça pour des petits-enfants et évidemment pour des personnes adultes, mais j'aime bien la comparaison avec l'école ordinaire qui existe dans une école maternelle, tout simplement parce qu'il me semble en France que dans l'école maternelle, on y voit bien cette intention lorsqu'on rentre dans la classe, que différents espaces sont organisés de différentes manières. Encore une fois, le parallèle que je fais avec une classe de petits-enfants est tout simplement parce que c'est l'exemple qui nous vient là le plus facilement de structuration dans l'éducation très visible ici. Comme Chelsea a dit avant, par mon accent, vous voyez que je suis brésilienne. Donc, à l'école maternelle, non, je n'étais pas là, mais je l'ai connue après par mon travail. Donc, on peut avancer. J'essaie de donner quelques exemples par des photos de structuration d'environnement d'apprentissage. Voilà, on peut continuer. Et donc, on arrive à une diapo où on a les quatre environnements d'apprentissage présentés, donc qu'on appelle dirigés par l'enseignant, dirigés par le matériel, dirigés par les pairs et dirigés par l'élève. Dans l'enseignement dirigé par l'enfant, dans l'environnement d'apprentissage dirigé par l'enseignant, on a ici quelques cibles que j'ai voulu présenter à titre d'exemple. Et l'organisation de l'espace ici, en général, c'est un travail qui va se faire à table, en face à face, où lorsque l'enseignant est seul avec l'enfant, il est habituellement en face de l'enfant. Quand on va chercher, je dis ça toujours, mais sur YouTube, ce que c'est l'analyse appliquée du comportement, et ça reste dommage, mais c'est vrai que le plus régulièrement, c'est sur des vidéos dans ce type d'enseignement-là qu'on va voir illustrer ce que c'est l'analyse appliquée du comportement. Alors que là, je pense qu'on a eu plein d'exemples pour montrer que, en tant que science, l'analyse appliquée du comportement va proposer des apprentissages qui vont bien au-delà des sciences qu'on va voir plus régulièrement sur Internet. Voilà.
Donc, mais c'est cette idée-là d'un enseignant en face d'un élève pour l'enseignement d'un type bien spécifique de cible d'apprentissage. Ensuite, dans le deuxième environnement d'apprentissage qu'on a, donc le dirigé par le matériel, on va avoir ici une interaction principale entre l'enfant et le matériel, ce qu'on appelle la tâche. Donc, le but ici de l'éducateur est d'être en retrait ou en soutien pour des guidances pendant que cette tâche-là est réalisée. Ce qui est important à dire, à mon sens, c'est que la participation de cet adulte a vocation à disparaître à travers des processus qu'on appelle de stompage, que les analystes du comportement utilisent. Donc, ce qui est aussi bien spécifique ici, c'est qu'il s'agit d'une tâche qui a un début et une fin qui sont faciles à identifier. On peut trouver des exemples assez vastes, mettre la table, s'habiller, compléter une fiche de mathématiques, faire un puzzle, changer la roue de son vélo. Toutes ces activités ont un début et une fin. Donc, toutes ces activités-là, l'enseignement que nous, on cherche à proposer, c'est un enseignement où l'éducateur a donc vocation à disparaître, parce que c'est la tâche elle-même qui doit guider les étapes pour l'enfant pour arriver à la fin. Donc, bien évidemment, on considère que le travail est terminé quand la tâche elle est faite. Donc, je donne aussi dans la diapo suivante encore quelques exemples de cibles par rapport à ces types d'enseignement d'apprentissage et on peut passer à la diapo suivante. Donc, dans le troisième environnement d'apprentissage, on est dans ce qu'on va appeler dirigé par l'enfant lui-même. Donc, dans ce cas-là, l'interaction principale est être l'enfant et une activité de son choix. Donc, l'éducateur, tout comme dans la situation précédente, a aussi vocation à être en retrait ou en soutien pour les guidances, mais sa participation a vocation à disparaître afin que, dans le jeu, par exemple, qui est mis en place, l'enfant avec autisme ne nécessite plus d'accompagnement. Donc, l'aspect plus précis ici, en termes d'organisation, c'est qu'on est dans des activités de loisirs et qui vont avoir une certaine durée, peut-être définie par l'activité qui va se présenter après ou par l'adulte lui-même. Mais par exemple, jouer à l'iPad, regarder à la télé, vont être associés à une durée et cette tâche-là peut se poursuivre jusqu'à un instant T quand l'activité va être interrompue. Donc, elle n'a pas de fin en elle-même, mais elle va avoir une fin qui est plus associée à une durée. Donc, on a différentes activités dans la diapo suivante, comme exemple, donc, faire du vélo, jouer à l'iPad, regarder la télé, comme je disais. On peut passer à la prochaine. Donc, oui, donc je fais dans la prochaine diapo juste une distinction entre ce que c'est le dirigé par le matériel et le dirigé par l'élève, tout simplement pour tenter de contraster entre ce qu'on considère comme des activités davantage de travail dans une tâche et ce qu'on considère comme des activités davantage de loisirs. Donc, enfin, l'environnement d'apprentissage, le quatrième, qu'on appelle dirigé par les pairs. Donc ici, on va avoir des interactions directes entre les pairs. Et encore une fois, l'éducateur a vocation à être en retrait pour que l'échange entre les pairs puisse se faire sans la présence de l'adulte. Moi, ce que j'aime bien dans cette idée-là d'environnement d'apprentissage est aussi de dire qu'alors qu'on a parfois l'image de l'analyse du comportement comme étant un apprentissage qui se fait exclusivement un pour un et qui a absolument nécessité d'avoir un adulte, on voit là que finalement, sur quatre environnements d'apprentissage que je propose aujourd'hui, on en a trois où j'insiste sur l'intention d'avoir l'éducateur disparaître. Alors, bien évidemment, il a une place pour l'enseignement, mais l'intention de l'organisation, de l'emploi du temps de l'enfant, si on suit cette logique-là, n'est pas justement d'avoir un adulte auprès de lui tout au long de la journée, puisqu'il a plusieurs situations d'apprentissage qui se font par le matériel, par un père, par une activité de loisir et les choix comme mes collègues ont mentionné avant. Donc, voilà pour les exemples de dirigés par les pairs.
peut continuer. Donc, dans un accompagnement, en général, on va initier avec des environnements d'apprentissage qui sont dirigés par l'enseignant en séance individuelle, dirigés par le matériel et dirigés par l'élève. Ça, je considère que c'est des environnements d'apprentissage que dès le début d'une prise en charge, on peut mettre en place. Et ensuite, on tente d'aller vers une deuxième étape progressivement introduite où on va avoir un travail dirigé par les pairs et un travail dirigé par l'enseignant dans des situations de séances collectives en mini-classe. Donc, on va me poser régulièrement la question, finalement, quelle est la différence entre ces environnements d'apprentissage-là? Bon, les différences sont nombreuses. J'essaie de les lister en termes d'objectifs, de positionnement de l'éducateur, de rôle de l'éducateur dans la présentation de ces protocoles d'enseignement. Dans le choix des activités aussi, parce qu'on a des activités qui vont être très clairement proposées dès le début comme étant des activités d'enseignement dirigées par le matériel. Ça peut être le cas, par exemple, d'un chaînage de brossage des dents. Mais on peut aussi avoir des activités, par exemple, construire un Lego, qui vont initialement être proposées dans une situation de dirigée par le matériel, parce que le début et la fin sont très clairs, et qu'ensuite, en fonction des choix de l'enfant et de la motivation qu'on peut observer, qu'on peut faire progresser vers des situations d'apprentissage dirigées par l'élève en termes de loisirs. Donc, c'est vrai que nous aussi, on va s'appuyer assez régulièrement sur un matériel qui est plus facile à structurer parce qu'au démarrage d'un enseignement, la structuration, elle a toute sa place. Et c'est juste pour dire que si j'insiste sur le démarrage, c'est parce que je pense aussi que dans le temps, le fait de structurer moins l'environnement a tout autant sa place pour qu'on arrive vers plus de flexibilité psychologique, plus de généralisation, etc. J'essaie de faire un lien avec d'autres choses qu'on a pu voir ce matin. Voilà, on peut continuer. Donc là aussi, je tente d'anticiper des questions qui me viennent assez régulièrement en disant « Oui, mais comment on va enseigner dans un groupe alors que chaque enfant a un projet éducatif différent, a des objectifs différents ?» Moi, je n'aime pas du tout le mot « niveau », mais c'est le mot qui arrive le plus régulièrement pour quand on me pose la question. Alors, bon, bien évidemment, dans n'importe quel groupe, en fonction de la situation d'apprentissage, il y a des adaptations qui sont nécessaires, mais pas toujours en fait. Et c'est sur le pas toujours que je voulais insister aujourd'hui. Quand on parle de dirigé par le matériel, donc pour rappel, chaque enfant ou jeune, adulte, peu importe, est sur une tâche qui a un début et une fin, on peut tout à fait imaginer une situation d'apprentissage où il y a 5 personnes dans une salle et chacune apprend avec un matériel différent que, pour garder le mot le plus utilisé, qui propose un niveau différent. Et cette structuration-là d'environnement d'apprentissage, de tâches dirigées par le matériel, peut tout à fait permettre que chacun soit sur une tâche qui lui est individuelle, tout en partageant un espace de travail. Donc, il ne s'agit pas de dire que tous les enfants font la même chose pour qu'on puisse travailler en groupe. Et c'est bien évidemment le cas aussi pour quand on parle de diriger par l'élève, parce que si on propose, je vais revenir sur l'exemple de l'école maternelle dans les temps de jeu, ben, il y en a qui vont partir vers le coin dinette, il y en a d'autres qui vont partir sur les coins de voiture, mais dans l'intention d'une organisation par le groupe, tout le monde est en train de partager un même type d'enseignement dans ce moment-là, même s'ils ne sont pas en train de faire la même chose. Voilà, donc là, je tente de donner, on peut passer à la suivante, je tente de donner quelques exemples en termes d'aspects d'organisation dans un établissement. On a beaucoup parlé donc d'environnement d'apprentissage et je voulais aussi parler de l'intention de différencier les modalités d'enseignement et les activités enseignées.
Donc, l'idée derrière, c'est que sur les dernières années, je pense que les activités vocationnelles ont gagné une place importante dans l'emploi du temps de nos jeunes. Et c'est tout à fait logique parce qu'en fin de compte, ils ont grandi. Donc, il fallait aller vers des activités qui étaient plus en accord avec l'âge de chacun. Et les activités physiques et sportives aussi ont sans doute une place aujourd'hui très importante. Et je pense que c'est un changement de long terme qui progressivement enrichit l'emploi du temps des jeunes et qui permet des journées qui sont plus typiques pour chaque personne accueillie. Donc, voilà, des activités culinaires, artistiques, etc. Pour finir, peut-être davantage pour les professionnels, quand on parle d'une organisation en atelier, on me pose régulièrement la question, comment on fait pour ne pas faire le même atelier tous les jours? J'ai des collègues qui vont me dire, oui, mais ça fait longtemps qu'on fait la même chose. Et donc, on a essayé de repenser ça et se dire, OK, quelles sont les variables qu'on peut manipuler pour justement éviter cette situation, parce que ce n'est pas la situation qu'on veut, d'une situation d'apprentissage pour l'enfant qui serait elle sans aucun changement, puisqu'on a tenté de dire que c'est dans la modification en fait, des comportements qu'on augmente les comportements adaptés. Donc, il faut bien identifier quelles sont les variables qu'on va modifier pour que cette progression dans l'accompagnement puisse continuer d'exister. Donc là, j'essaie de proposer les variables. Donc, la durée, les ratios d'encadrement, la complexité de la tâche, la structuration de l'environnement et l'utilisation des renforceurs. Bon, il y en a sans doute d'autres, mais l'intention de présenter ça est de dire à chaque fois qu'on a un atelier en place, il y a sans doute une ou plusieurs variables qui peuvent être modifiées pour que l'enfant qui est au sein de cet atelier puisse continuer de progresser. Donc, si je peux peut-être exprimer plus ou résumer plus largement mon souhait, donc, c'est un souhait d'accompagner un changement de regard de ce qui est possible pour chaque enfant et d'accompagner un changement de regard de ce qui est possible aussi dans chaque centre. Je ne pense pas encore possible aujourd'hui en France de dire que chaque enfant trouvera sa place dans le modèle d'école tel qu'il est proposé, même si aujourd'hui on a des démarches comme les unités d'enseignement, les classes d'autorégulation, etc., qui proposent déjà un changement au sein de l'école. Et c'est là, mais lorsqu'un enfant ne trouve pas sa place au sein des propositions qui existent aujourd'hui, et il y en aura d'autres dans l'avenir, cela ne signifie pas non plus évidemment que la place de l'enfant est institutionnalisée. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a la responsabilité dans nos centres de créer un modèle alternatif qui propose des activités d'apprentissage qui soient riches en expérience et qui permet une vraie démarche d'inclusion dans la société. Inclusion pour l'enfant, inclusion pour l'adolescent et inclusion pour l'adulte. Donc, un centre, évidemment, n'est qu'une base, en fait. Et l'intention, lorsqu'un enfant arrive ou un adulte arrive dans un centre, c'est finalement de diminuer progressivement son temps de présence dans le centre pour aller vers des apprentissages à l'extérieur et d'enrichir par la mise en place d'activités ordinaires, de la présence de personnes extérieures, etc., le type de modèle qu'on propose. Finalement, le centre le plus de meilleure qualité qu'on puisse imaginer, c'est un centre où les enfants n'y sont pas, qui servent de base pour qu'ils puissent y être à l'extérieur. Même si cette idée de base me paraît tout à fait importante et indispensable pour beaucoup de projets. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, bien que dans un enseignement moins structuré, on est toujours dans cette même recherche de définition d'objectifs, d'apprentissage, d'évaluation des progrès, de formation des équipes et de qualité dans les services qu'on propose. Merci. Merci beaucoup. Alors, on nous demande s'il est possible de recevoir les supports PowerPoint. Je ne suis pas sûre qu'on les transmette, mais cette séance a été enregistrée et elle devrait être rediffusé en replay très rapidement, probablement à l'issue du mois parisien du handicap, avec l'accord des professionnels qui sont ici. Donc, voilà, vous aurez une restitution de ces éléments.
peut-être, du coup, c'est une question pour vous. J'entends que c'est une personne qui est très intéressée par vos interventions, qui visiblement, si j'ai bien compris, est la maman d'un jeune garçon autiste. Est-ce que vous avez des pistes de formation? Est-ce que vous assurez des moments de sensibilisation? Comment vous diffusez les pratiques qui sont les vôtres dans les établissements d'Agir et Vivre l'autisme auprès du grand public? Enfin, voilà, c'est une question qui est ouverte. Donc, je vais répondre pour l'ensemble des équipes d'AVA ici présentes. Effectivement, l'association propose un certain nombre d'actions de sensibilisation et à travers le site internet, tout le monde peut avoir les coordonnées des différents établissements et services en France et en province pour interroger l'association sur les actions en cours et à venir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions? Ah, Samy lève la main. Je vous en prie. Oui, alors. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. J'avais une question par rapport à l'inclusion des enfants autistes en milieu ordinaire. Aujourd'hui, mon fils est scolarisé en milieu ordinaire, il est en CE2. Il a une AESH depuis maintenant un an et demi. On saccadait avec la pandémie, hein, bien sûr. Et du coup, lors de l'équipe éducative de début d'année, a été annoncée en fait une réorientation scolaire de notre fils pour aller en ULIS, parce que soi-disant, il avait des retards, en lecture notamment, et qu'il ne pouvait pas passer en CM1. On avait une place en ULIS mais en milieu scolaire privé, donc très payant pour les parents. Nous, notre volonté de parents a été de le maintenir en milieu ordinaire avec son milieu environnemental, les référents qu'il connaît très bien, ses copains. Et en fait, ma question est la suivante, c'est à partir de quel moment on pourra nous dire bah, finalement, votre enfant n'a plus du tout sa place en milieu scolaire ordinaire. Je pense notamment au collège. Est-ce qu'on va avoir cette question de dire bah, votre enfant, il faut mieux qu'il aille en ULIS ou en IME ou ailleurs? Enfin, c'est une vraie question aujourd'hui d'éducation pour notre enfant, quoi. Alors, c'est une vraie question. Effectivement, en France, hélas, la scolarisation pour les enfants en situation de handicap, qu'ils soient autistes ou porteurs d'un autre type de handicap, est soumise et resoumise tous les ans à la validation par la fameuse réunion à laquelle vous avez participé pour votre enfant d'équipe éducative. Donc, c'est une question récurrente et c'est une question que les parents nous partagent régulièrement. Et qui doit faire l'objet, en fait, qui n'est pas, il n'y a pas de répertoire de compétences et d'apprentissage qui doivent être acquis pour dire à tel moment on doit être dans tel milieu, dans tel autre. C'est bien des parcours qui se font à chaque fois avec la recherche d'un consensus avec l'équipe éducative et pédagogique de l'école, les choix de la famille et les choix exprimés par l'enfant ou le jeune quand il est en capacité de le dire. Je pense que ce matin, l'illustration qui est faite, c'est que justement, les établissements spécialisés dont font partie, que gère Agir et Vivre l'autisme, qui ont l'appellation Institut médico-éducatif, IME, ne se cantonnent plus, comme dans la période précédente, à être une prise en charge institutionnalisée. C'est bien ce que tu as dit, Anna, c'est que dans ces établissements spécialisés, aujourd'hui, c'est complètement diffusé la culture d'une nécessaire acquisition d'autonomie pour chacun et que les parcours sont bien individualisés en fonction des compétences et des difficultés de chacun pour aller vers de l'inclusion scolaire, de l'inclusion en centre de loisirs, de l'inclusion en club sportif. Et puis, j'en oublie probablement, donc peut-être Anna, tu peux compléter mes propos. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans cette opposition entre milieu ordinaire et milieu spécialisé. Le milieu spécialisé est un outil
à un moment de la vie d'un jeune pour lui permettre d'acquérir le plus de compétences possibles pour pouvoir être aussi en milieu ordinaire, au moins en temps partiel. Voilà. Ça répond peut-être à votre question. Oui, en partie. J'avais une question, pourquoi finalement l'éducation nationale pousse les parents à envisager dès l'instant qu'il y a des places qui se libèrent en ULIS et à se dire bah, finalement votre enfant a du retard en lecture, mais nous on préfère qu'il soit encadré par des vrais professionnels qui connaissent l'autisme parce que en milieu éducation nationale, on n'a pas les moyens et que cette année, il a une AESH, peut-être que l'année prochaine, il n'en aura pas et qu'il ne pourra pas forcément suivre. Ben, finalement, on met un peu des freins en fait, à son développement, alors que finalement, depuis la Toussaint, il arrive à bénéficier d'une inclusion en CP pour la lecture et il fait d'énormes progrès. Donc, voilà. Alors, c'est vrai qu'on est dans une situation en France, et c'est un peu les propos que j'avais en introduction. On sait qu'on a cumulé des années de retard, et notamment dans toute la question de l'inclusion scolaire, alors qu'ils ne sont pas, je me permets de m'exprimer en tant que citoyenne, mais qui ne sont pas du tout des compétences qui sont de l'ordre de la mairie du 19e. Ce qu'on sait de la situation aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'éducation nationale est en grande difficulté du fait de l'absence de formation, l'accompagnement des différents types de handicap, en manque de moyens, en manque de capacité à individualiser des parcours pour des enfants avec handicap, mais aussi pour des enfants avec des besoins spécifiques peut-être moins importants. Donc, on a structurellement à l'éducation nationale des difficultés et puis probablement culturellement aussi un héritage qui fait que bah, tous les besoins spécifiques doivent trouver des réponses en dehors de l'école et une difficulté de l'institution à s'adapter à chacun des profils accueillis. Donc, c'est une question sur laquelle les parents d'enfants en situation de handicap militent beaucoup. Mais enfin, voilà, les choses sont tout de même en train d'évoluer. Peut-être que vous pouvez parler de l'unité d'enseignement qui a été, que vous gérez, qui a été ouverte. Donc, effectivement, aujourd'hui, comme je disais, au sein de l'école, on propose des réponses des réponses élargies, nouvelles par rapport à ce qu'on avait auparavant. Donc, au-delà des modèles du LIS qui donc, existent depuis beaucoup plus longtemps, on a aujourd'hui des classes d'autorégulation, des unités d'enseignement. Il est toujours très difficile pour nous de parler d'une situation individuelle. Donc, vous apporter une réponse par rapport à votre enfant sans le connaître, c'est quelque chose qui ne serait pas possible, enfin, en tout cas qui me semble difficile. Mais si on peut laisser un élément par rapport à des questions de scolarisation, c'est qu'effectivement, il existe un avis qui est l'avis de la famille, il existe l'avis de l'école, il existe l'avis des professionnels qui entourent l'enfant dans d'autres prises en charge à l'extérieur. Et je ne pense pas qu'il y ait un modèle unique et un parcours qui soit absolument à prioriser. Je pense qu'en fonction des besoins qu'on arrive à identifier de l'enfant et des situations d'apprentissage dans lesquelles il évolue le plus, qu'on peut identifier dans quel type de dispositif il peut mieux évoluer. Parce qu'en fin de compte, l'élément principal me semble bien évidemment de toujours vouloir aller vers de l'inclusion, mais des modalités d'inclusion, comme on a tous mentionné, bah, il en existe des nombreuses modalités différentes. Et ce qu'on ne veut pas, c'est probablement pas non plus être enfermé dans une intention de rester absolument dans un type de dispositif, alors que peut-être, et là c'est totalement personnalisé comme réponse, mais l'enfant pourrait mieux progresser dans un type de structure différente.
J'espère qu'on a pu apporter des éléments de réponse. Alors, c'est vrai qu'il y a la question de l'école et puis aussi de nombreuses, nombreuses autres occasions d'inclusion dont tu parlais, Anna. Donc je ne sais pas si vous êtes habitante du 19e, mais peut-être qu'on peut aussi vous inviter à participer au Conseil local du handicap du 19e, qui est une instance participative ouverte à toutes les associations, les structures, les acteurs médico-sociaux, mais aussi les personnes ou les parents représentants de personnes en situation de handicap, et qui permet d'imaginer tous ces lieux et en tout cas de poser les questions de tous ces lieux où l'inclusion peut être nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi la question de l'accès au sport, avec un travail qui est mené en ce moment à l'échelle parisienne pour permettre dans chacun des clubs sportifs d'avoir une section para-bienveillante, c'est-à-dire ouverte à certains types de handicap, avec des éducateurs sportifs formés à la prise en charge de handicaps divers. Il y a un travail qui est initié aussi avec les commerçants sur la question de l'accessibilité et des moyens, et par exemple le développement des heures calmes pour permettre à des personnes sensibles, et on pense là particulièrement au public autiste, de pouvoir être dans ces lieux avec un plus grand confort. Donc, cette instance participative à laquelle on peut vous inviter à venir contribuer permet de poser la question de l'inclusion de manière générale dans la ville, dans l'accès à la culture, au sport et à la vie citoyenne et participative dans son quartier. Il y a d'autres interventions. On va arriver au moment de la conclusion de notre séance. Donc, si d'autres interventions vont encore prendre une ou deux questions. Eh bien, écoutez, je pense que vous avez été extrêmement clair, mesdames, puisqu'encore une fois, on avait un plateau exclusivement féminin pour cette matinée. Merci beaucoup pour vos contributions et l'éclairage que vous avez pu apporter. Cette séance sera très bientôt disponible et rediffusée. Voilà, merci à vous toutes. Merci à Agir et Vivre l'autisme qui a souhaité s'impliquer dans la préparation de cette matinée. Merci beaucoup à la MACVAC de nous accueillir encore dans des conditions formidables. Merci beaucoup Valérie. Et puis merci à tous d'avoir participé, échangé avec nous et d'avoir vous être intéressés à ce sujet sur lequel nous allons continuer à travailler. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour Yannick, de loin. Bonjour. Parfait. Yannick, on va juste faire un petit test parce qu'au niveau de l'audio, il y a des choses que je ne comprends pas. Oui, la dame, quand vous ne l'entendiez pas au début, j'ai failli écrire et puis après, ça s'est apparemment réglé. Mais nous, on l'entendait. Alors que dans la salle, vous aviez l'air de ne pas l'entendre. Ah. Alors, et là, quand vous parlez ? Ah ben là, j'entends tout le monde. Non, on n'entend plus là. Non, ah. C'est fini. J'ai gardé une photo. Comme ça, c'est une demande. Oui. Je ne voulais pas... Oui, approchez-vous. On reprend le test tout à l'heure. Je vous reconnecterai. D'accord. À plus tard. C'est fou. Bah, venez.